D'accord. On a un crâne masculin, donc la particularité entre le crâne masculin et féminin, il y a des repères osseux qui sont plus, entre guillemets, bien entendu, il faut faire attention, féminins hein, et d'autres masculins. Thank you.
articulaire, qui est les fessiers. Donc on a le petit, moyen et grand fessier. Et là, ce qu'on peut dire, c'est le grand gluteal qui passe ici. Mais ça, on en reparlera peut-être sur un autre modèle. Ouais. Je pense que déjà, vous avez pas mal d'informations, de par la couleur et de par la structure osseuse, voire musculaire.